vous parler aujourd'hui, chers téléspectateurs, d'un épisode fameux de l'histoire du Second Empire. Il s'agit de l'expédition du Mexique. Hein, l'affaire s'est mal terminée, comme chacun sait. C'était il y a 150 ans et il m'a paru utile de revenir sur cette séquence de notre histoire du 19e siècle, un peu oubliée aujourd'hui, si l'on accepte évidemment l'épisode de Cameron qui reste l'un des grands mythes fondateurs de la Légion étrangère. Alors ce Mexique, qu'est-il au 19e siècle, à l'époque qui nous intéresse? Eh bien, il a conquis son indépendance contre l'Espagne, comme la majeure partie de l'Empire espagnol d'Amérique au début du 19e siècle, du fait de l'action des Libertadores, hein, la chose est entendue dès 1821, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas trouvé ensuite un équilibre politique, social satisfaisant, et que le pays a plongé progressivement dans une semi-anarchie qui va créer les conditions de l'intervention étrangère. De quoi s'agit-il plus précisément? Eh bien, à partir de 1858, le Mexique est confronté avec une guerre civile qui oppose les conservateurs, partisans d'un régime monarchique, partisans de l'Église, aux républicains fédéralistes, aux démocrates fédéralistes. Les premiers sont conduits par Miramón, les seconds par Benito Juárez, un Indien qui se veut le porte-parole de la Révolution. Et cette lutte va aboutir finalement à la victoire en 1860 de Benito Juárez. En quoi est-ce que cela concerne l'Europe? Une Europe qui, on s'en souvient, depuis quelques dizaines d'années, est tenue à l'écart du continent américain en raison de la volonté du président des États-Unis de mettre un terme à toute intervention européenne sur le continent américain. C'est la fameuse formule du président Monroe, l'Amérique aux Américains. Eh bien, les Européens sont concernés parce que le gouvernement de Miramón a emprunté beaucoup d'argent en Europe. Quand il est renversé, quand les partisans de Juárez s'emparent du pouvoir, ils ne reconnaissent pas ses dettes et évidemment, les créanciers sont mécontents et se retournent vers leurs États respectifs pour faire respecter leurs intérêts et leurs droits. Il y a trois pays principalement qui sont concernés, l'Angleterre bien sûr, la France et l'Espagne. Alors, le jongleur, ce qui les intéresse, c'est avant tout le remboursement de leurs créances. Hein. Ils n'ont pas de véritable projet géopolitique particulier de ce côté, si ce n'est de voir maintenu l'ouverture du monde latino-américain à leur commerce. Mais il n'empêche que les trois gouvernements vont s'entendre pour mettre sur pied une expédition qui va se diriger vers le Mexique pour aller imposer au nouveau régime le respect des engagements pris par ses prédécesseurs. C'est une décision qui est prise dès 1861. Les Anglais, je l'ai dit, veulent avant tout qu'on leur rembourse leur argent. Les Espagnols voient plus loin, eux, et certains, et notamment le général Prime, qui va commander le corps expéditionnaire espagnol, verraient bien le Mexique redevenir ce qu'il avait été pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire une vice-royauté de l'Espagne. Quant à Napoléon III et à la France du Second Empire, qu'allait-il faire en cette galère? C'est l'expression que l'on retiendra souvent. Eh bien, Napoléon III a le projet de construire en Amérique centrale un grand empire latin et catholique pour, en quelque sorte, contenir l'influence des États-Unis et battre en brèche la volonté américaine de vouloir s'imposer sur l'ensemble du continent américain, sur l'ensemble de l'hémisphère occidental. Et pour cela, Napoléon III va imaginer de proposer le trône du Mexique à un archiduc autrichien qui va devenir l'empereur Maximilien du Mexique. Proposition qui peut paraître surprenante, mais qui l'est moins quand on se souvient que Napoléon III avait vaincu l'Autriche lors de la campagne d'Italie de 1859, mais que cela lui avait été beaucoup reproché par son opposition catholique, par la droite catholique en France, hein, très attachée notamment à la défense des intérêts pontificaux contre les volontés du nouvel État
italien, et intervenir au Mexique pour y défendre les intérêts catholiques, cela pouvait être un moyen de reconquérir en quelque sorte le soutien de cette frange essentielle de l'opinion. Il y a aussi sans doute quelques raisons plus ou moins cachées à cette intervention, c'est la fameuse affaire des bons Jecker. Jecker, c'est un banquier suisse un peu escroc, qui disposait de créances sur l'État mexicain, qui avait revendu les bons en question, et un certain nombre de gens qui les avaient rachetés, évidemment, avaient tout intérêt à ce que le régime changeât au Mexique pour pouvoir récupérer les créances en question. On a ainsi souvent suspecté le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, d'avoir été à la tâche dans cette affaire, et il en allait de même de l'ambassadeur français à Mexico. On a sans doute beaucoup exagéré cet aspect des choses, c'est un petit peu la légende noire du Second Empire là, qui s'est imposée, cela n'a joué sans doute qu'un rôle assez secondaire dans les décisions de Napoléon III. Un autre acteur n'est pas à négliger, c'est l'impératrice Eugénie, Eugénie de Montijo, qui est une princesse espagnole d'origine, très attachée à la cause catholique, et qui va encourager l'empereur, pousser son mari à intervenir donc dans cette affaire, convaincue par un certain nombre d'émigrés conservateurs que la population mexicaine va accueillir en libérateur les Français venus renverser le régime de Juarez. En réalité, on sous-estime beaucoup les difficultés qui attendent l'expédition, la distance, la dimension même du pays. Hein, ce pays, il est immense, même s'il a été privé de près de la moitié de son territoire depuis 1848 par les États-Unis, hein, qui ont récupéré à la faveur d'une guerre commencée 2 ans plus tôt le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et la Californie. Hein. C'est un pays immense dans lequel un corps expéditionnaire de quelques dizaines de milliers d'hommes n'a pas la possibilité, évidemment, de s'imposer dans la durée s'il rencontre l'hostilité des populations. Il y a les difficultés du climat, hein, notamment dans les basses terres chaudes. Hein. Les généraux de Juarez diront que tant que les Français se maintiendront dans la Tierras Calientes, l'arrière-pays de Veracruz, eh bien, ça constitue chaque mois passé ainsi une victoire pour l'armée républicaine. Des conditions climatiques donc très dures, avec la menace de la fièvre jaune, la menace du paludisme, tant que les troupes n'ont pas accédé au plateau central où les conditions sont un peu meilleures. On sous-estime donc les difficultés, il y en a une également que l'on sous-estime, c'est l'attitude des États-Unis. Les États-Unis qui sont plongés depuis 1861 dans la guerre civile, dans la guerre de sécession, c'est ainsi qu'on l'appelle en France, et qui donc se trouvent quelque peu paralysés pour mettre en œuvre la fameuse doctrine Monroe, mais cette guerre de sécession, elle aura une fin, et on peut s'attendre à ce moment à ce que la puissance américaine, nord-américaine, pèse de tout son poids sur les affaires mexicaines. Un autre point à signaler, c'est le rôle de l'ambassadeur de France au Mexique, Dubois de Saligny, qu'on a souvent présenté comme le mauvais génie de cette affaire. Il a tendance à considérer que tout va bien se passer, il fait preuve d'un optimisme excessif dans les comptes rendus qu'il envoie à Paris, et de ce fait, c'est avec une certaine confiance que l'affaire est engagée. Rouher, qui est le chef de la majorité parlementaire favorable à l'empereur, au corps législatif, ira même jusqu'à parler de la grande pensée du règne en évoquant ce projet mexicain. En fait, on n'a pas compris très vite que l'on allait s'appuyer sur une partie de la population, sur un parti, sur une faction particulière, hein, conservatrice, catholique, cléricale, et que ces gens-là ne représentaient pas la majorité du pays, même si cette majorité jusque-là n'avait pas manifesté encore une mobilisation et une conscience politique extrême. Alors, il y avait également, je l'ai dit, le fait que les USA soient paralysés pour un temps par la guerre de sécession.
On a oublié aussi certaines expériences précédentes qui auraient pu inciter à la prudence. Je pense ainsi à la guerre d'Espagne napoléonienne, hein, qui a été un véritable cancer pour le grand empire napoléonien. À certains égards, l'affaire du Mexique peut lui être comparée. En tout cas, une expédition navale regroupant les trois puissances européennes concernées fait voile vers la Veracruz et arrive au large de ce port en 1862. Les Anglais vont garder à bord les troupes qu'ils avaient emmenées avec eux. Les Espagnols ont un corps expéditionnaire de 6000 hommes, mais le général qui les commande, le général Prim, va entretenir des relations difficiles avec les Français. Quant aux Français, au départ, eh bien, ils ne sont que quelques milliers, auxquels on va bientôt envoyer 4500 hommes en renfort aux ordres du général Laurent XVI. Les relations entre les différents alliés se révèlent en fait assez difficiles, au point que dès avril 1862, eh bien, le concert des trois puissances est rompu et les Espagnols comme les Anglais vont rembarquer purement et simplement leurs troupes et l'affaire du Mexique va devenir une affaire exclusivement française. À partir de la Veracruz, eh bien, le général Laurent XVI décide de marcher vers l'intérieur, de marcher vers la ville de Puebla, sur la route de Mexico. Il va réussir à franchir les obstacles que constituent quelques actions de guérilla menées par les troupes républicaines. Mais à Puebla, il va d'abord connaître un échec. Il faut reculer face aux solides défenses de la ville. Et là, l'opinion française commence à être mécontente. On l'avait habitué aux victoires à Solferino, à Magenta, en Crimée. Cette affaire du Mexique, semble-t-il, ne s'annonce pas aussi facile. On remplace le général français, c'est le général Forêt qui prend les choses en main. On lui envoie 23 000 hommes en renfort qui viennent débarquer à la Veracruz entre juillet et septembre 1862, avec toutes les difficultés climatiques, notamment que j'évoquais tout à l'heure pour la troupe. Deux divisions sont constituées aux ordres des généraux Bazaine et Douay, et l'armée ainsi reconstituée marche de nouveau vers Puebla, avec 28 000 hommes et 56 canons, accompagnés par quelques corps mexicains qui sont des auxiliaires tout à fait médiocres. Puebla, défendu par le général Ortega, se défend. Certains font le parallèle avec le siège de Saragosse en 1808 pendant la guerre d'Espagne napoléonienne. En tout cas, après deux mois de siège et de combat, la ville finit par tomber. Mais ce que l'on constate, c'est une déception, c'est que l'accueil de la population n'est pas aussi favorable qu'on l'attendait. On n'en reprend pas moins la marche sur Mexico, occupée par Bazaine en juin 1863. On mobilise davantage la population, quitte à distribuer quelques pièces à la claque mobilisée pour la circonstance. Le clergé joue le jeu du soutien aux Français. Donc on peut avoir l'illusion là que les choses se passent bien. On va constituer une junte de notables qui va être une junte constituante qui va décider l'établissement d'un nouveau régime, la proclamation d'un empire du Mexique qui va être proposé, confié donc à l'archiduc Maximilien. Alors, un certain nombre de décisions sont prises, discutables. Hein, le régime précédent avait vendu les biens d'église. On va revenir sur cette décision. Puis finalement, on va la confirmer. Au bout du compte, on mécontentera tout le monde. On va constater très vite un certain enlisement des Français sur place, sans que soit trouvée une solution politique légitimant véritablement le nouveau régime. Du coup, l'ambassadeur Soligny va être évoqué, Forêt, le général, va être rappelé aussi, remplacé par Bazaine, hein, à qui on conseille même de chercher le compromis avec l'opposition, avec les républicains. Hein. Bazaine, qui est un beau soldat, il a servi dans les rangs de la Légion étrangère en Espagne pendant la guerre carliste, il a servi en Algérie, il a servi en Italie, mais c'est de fait, par ailleurs, un piètre politique et
il ne sera pas en mesure de trouver un compromis avec l'adversaire. On a dit donc un certain nombre de maladresses. On a voulu donner une légitimité au régime en lui ralliant un certain nombre de communautés locales. Et alors, ça, on a réussi à obtenir un certain nombre de soutiens. On a transformé ça en un plébiscite, en analysant cela comme le vote de 6 millions de Mexicains en faveur de Maximilien. Tout ça était très, très exagéré et les opposants ont pu parler de plébiscite marron. Et ça n'a pas démobilisé du tout Juarez, bien au contraire, soutenu par une partie de la population hostile à l'étranger. Hein, et Juarez soutenu aussi par les États-Unis, ce qui est évidemment important. Problème également, c'est l'archiduc Maximilien, homme de bonne volonté, âgé de 32 ans, mais très peu préparé à la fonction qu'on lui avait attribuée, incapable de dégager les priorités qu'il fallait mettre rapidement en œuvre, sous l'influence de son épouse, Charlotte de Belgique, qui était une tête politique beaucoup mieux faite que la sienne, hein, Charlotte qui viendra même à Paris supplier Napoléon III quelque temps après de maintenir son effort militaire au Mexique. En fait, très vite, Maximilien va se retrouver isolé. Il veut imposer au concordat au clergé qui n'en veut pas s'escouper de l'Église. Il indispose l'armée mexicaine par son autoritarisme et par le fait qu'il privilégie un certain nombre de proches, de familiers. Les impôts ne rentrent pas, évidemment, donc la solution pour cet État mexicain, c'est bien sûr l'emprunt. La répression de la guérilla est très virulente, très violente. Hein. On décide de condamner à mort tout homme pris les armes à la main, hein, ce qui, dans ce pays, va être très mal considéré, on l'imagine, par une bonne partie de l'opinion, hein, d'autant que le banditisme est une des plaies du Mexique d'alors. Hein. Très vite, en fait, le pays va se trouver hors contrôle. Il y a une oligarchie de grands propriétaires riches qui ne veut rien céder sur ses privilèges. Il y a un peuple misérable, dépourvu d'une véritable conscience politique. Il y a un clergé qui est tout à fait intransigeant pour maintenir la position qui était la sienne. Et je le disais il y a un instant, il y a un banditisme chronique dans la plupart des provinces. Difficile dans ces conditions de constituer une nation qui pourrait adhérer au projet impérial de Maximilien. Un Maximilien qui de plus s'oppose au général Bazaine, ce qui évidemment ne peut que compliquer les choses. Elles se compliquent encore plus quand la guerre de sécession se termine. Hein, déjà, les États-Unis ont refusé de reconnaître le régime mis en place à Mexico. Ils vont continuer à soutenir Juarez, qui est venu d'ailleurs installer sa capitale à proximité de leurs frontières, la Ciudad Juarez actuelle. Hein. Au bout du compte, donc, l'aventure française, c'est évidemment un échec. Il n'y a pas de nation mexicaine, et encore moins de nation mexicaine, en mesure de se rallier à Maximilien. En plus, le temps s'assombrit en Europe, hein. 1866, c'est Sadova, la Prusse victorieuse de l'Autriche. Le processus de l'unité allemande est en train de se mettre en place. La France, évidemment, ne peut que voir cela avec inquiétude. Et l'affaire du Mexique, de ce point de vue, est une aventure extérieure dont on pourrait bien faire l'économie au moment où la guérilla se généralise, hein, et où l'opinion française commence à être hostile à l'entreprise. Hein. On l'a vu, l'impératrice Charlotte est venue à Paris, elle est allée également à Rome voir le pape pour chercher des soutiens, mais cela ne va pas empêcher l'échec final. Napoléon III va ordonner à Bazaine de préparer son repli. Progressivement, l'ensemble du territoire est conquis par les républicains, et le malheureux Maximilien, à qui l'on a proposé de rembarquer avec les troupes françaises, refuse, veut continuer. Il se replie sur Querétaro avec une dizaine de milliers de fidèles, mais il y est assiégé par les juaristes et finalement la ville doit se rendre, il est fait prisonnier. Les vainqueurs
organisent un procès à l'issue duquel il est fusillé. Hein, la scène qui a été immortalisée, bien sûr, par le tableau d'Édouard Manet. Donc, au bout du compte, une aventure qui a très mal tourné, qui a pesé lourd dans le discrédit qui commence à entourer le régime impérial, hein, que l'on mettra au chapitre de la légende noire du Second Empire la suite. Hein. La France qui avait fait un retour spectaculaire sur la scène internationale, notamment après la guerre de Crimée et le congrès de Paris, le régime qui, au fur et à mesure qu'il se libéralisait, semblait en mesure de s'installer durablement à l'intérieur, eh bien, tout cela va se trouver extrêmement fragilisé par cette aventure mexicaine qui se termine ainsi malheureusement. Ce n'est pas un personnage modèle ni un personnage très attachant dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est au contraire le récit dramatique du destin de la marquise de Brinvilliers que je vais vous faire. Nous sommes sous le règne de Louis XIV et l'histoire commence le 2 juillet 1630 par la naissance de Marie-Madeleine Dreux d'Aubray dans une famille noble. Elle est l'aînée de 5 enfants et si elle a perdu sa mère très jeune, elle reçoit néanmoins une éducation soignée conforme à son origine aristocratique. Son père, le marquis Dreux d'Aubray, est conseiller d'État, maître des requêtes et lieutenant civil de la ville de Paris. Rien ne peut laisser supposer au début de la vie de cette jeune marquise qu'elle s'achèvera 46 ans plus tard, la tête tranchée par le bourreau. En 1651, Marie-Madeleine, décrite comme une jeune fille agréable avec un air des plus innocents, est mariée à un jeune homme fortuné, Antoine Gobelin, marquis de Brinvilliers. Il n'a pas de dimension particulière, mais a un caractère, une nature joyeuse, une nature de bon vivant. Peu après leur mariage, le jeune couple s'installe dans le quartier du Marais et aurait pu mener la vie classique des jeunes nobles de l'époque si seulement Antoine de Brinvilliers n'avait pas rapidement délaissé son épouse pour le jeu et d'autres femmes. Marie-Madeleine va alors chercher à combler sa solitude et prendre de nombreux amants jusqu'au jour où elle rencontre un ami de son mari, un officier de cavalerie, le capitaine Gaudin de Sainte-Croix. Antoine de Brinvilliers, quand il apprend la liaison de sa femme, est plutôt beau joueur, car il sait qu'il n'a pas lui-même une conduite exemplaire. En outre, il apprécie le capitaine de Sainte-Croix. Là aussi, les choses auraient pu continuer dans un ménage à trois, discret, mais c'était sans compter avec l'intervention d'un quatrième acteur en la personne de Monsieur Dreux d'Aubray, le père de la marquise. Celui-ci, en effet, supportait très mal les frasques de sa fille. Et quand il s'aperçoit que celle-ci s'affiche sans aucune discrétion ni pudeur au bras de son amant devant toute la bonne société parisienne, il obtient, grâce à ses relations, une lettre de cachet qui envoie le beau capitaine passer quelque temps dans les geôles de la Bastille, histoire de lui redonner un sens moral et de l'éloigner de sa fille. Cette décision sera lourde de conséquences. En effet, pendant son séjour en prison, Sainte-Croix fait la connaissance d'un aventurier italien du nom d'Exili, un empoisonneur connu, qui va lui transmettre toutes ses connaissances sur les poisons et leurs effets. Sainte-Croix, qui s'intéressait depuis longtemps à la chimie, il avait suivi au Jardin royal des plantes les cours du célèbre savant suisse Glaser, va assimiler rapidement toute la science de son compagnon de cellule. Après 6 semaines de cours intensifs, les poudres de succession, telles que l'on appelait les poisons, n'auront plus de secret pour lui. Quand il est libéré, il n'a qu'une seule idée en tête, se venger du père de sa maîtresse, qui, elle-même, voue désormais une haine meurtrière à son père. Instruite par Sainte-Croix des secrets des poisons, Marie-Madeleine va bientôt les manipuler avec une habileté d'expert. Et pour tester leurs effets, elle décide d'expérimenter ses poudres sur les indigents de l'Hôtel-Dieu. Les malheureux acceptaient avec joie les soins de cette jolie marquise qui les gâtait de gâteaux et de bon vin. Seulement, après quelques semaines de ce traitement, ils passaient de vie à trépas sans que les médecins trouvent une raison à leur mort. La marquise, devant l'efficacité de ses poisons, voyant en plus qu'aucun d'eux n'avait été décelé à l'autopsie, décide alors de faire de son père la prochaine victime.
Dreux d'Aubray est tombée malade, Marie-Madeleine va être tout de dévouement filial, restant à son chevet pour le soigner. Évidemment, loin de guérir, le pauvre Dreux d'Aubray voit son état empirer malgré l'intervention des médecins et s'éteint le 13 juin 1666 au bout de 8 mois d'atroces souffrances. Dans ses dernières confessions, Marie-Madeleine expliquera à propos du poison et sans aucune émotion ni regret qu'il ne fallait pas en donner trop à la fois afin que l'on ne s'aperçût pas que cela fît de l'effet et que cela fût trop précipité. Elle précisera aussi qu'elle avait administré du poison à son père 28 fois. Madame de Sévigné sera particulièrement horrifiée par ce crime odieux et écrira dans l'une de ses lettres « Assassiné est le plus sûr ». C'est une bagatelle en comparaison d'être 8 mois à tuer son père et à recevoir toutes ses caresses et toutes ses douceurs où elle ne répondait qu'en doublant toujours la dose. L'héritage du malheureux marquis fut partagé entre ses enfants, mais très rapidement il ne resta rien de la part de la marquise, qui continuait une vie de débauche et de luxure, collectionnant les amants et les dépenses. Elle décida alors une nouvelle fois sans scrupule d'éliminer les obstacles entre le reste de l'héritage paternel et elle, c'est-à-dire d'abord d'éliminer ses deux frères. L'un avait repris la charge de son père comme lieutenant général de Paris et le plus jeune celle de conseiller d'État. Et ils habitaient ensemble. L'élimination se révéla assez facile. Ils moururent tous deux à quelques semaines d'intervalle, dans des conditions étranges, mais après que la marquise eut mis à leur disposition un de ses laquais, vivement recommandé, et qui portait le nom de La Chaussée. L'autopsie des corps des deux frères révéla bien quelques traces, mais l'affaire n'alla pas plus loin. Ensuite, la marquise, que l'on appellerait aujourd'hui une tueuse en série, décide de s'attaquer cette fois-ci à sa propre sœur, puis à sa belle-sœur, et même à sa propre fille qu'elle trouve idiote, enfin à son mari. Mais cette fois-ci, elle rate à chaque fois ses tentatives d'assassinat. Peut-être Sainte-Croix y est-il pour quelque chose. Il sait que sa maîtresse rêve maintenant de l'épouser dès qu'elle se sera débarrassée de son mari, ce qui ne l'enthousiasme guère. Il ne veut plus être associé à une criminelle maintenant aguerrie. Il intervient alors discrètement et donne plusieurs fois de l'antidote à son ami le marquis de Brinvilliers, qui ne se doute absolument de rien et qui arrivera à survivre à de curieuses fluxions de jambes, ainsi diagnostiquées par les médecins. Alors qu'il a été empoisonné 5 ou 6 fois. Prudemment, ou peut-être instinctivement, le mari décide de s'éloigner de sa femme et de s'installer dans sa propriété de province. Peu après, les relations entre les deux amants se détériorent. Le capitaine de Sainte-Croix décide finalement de se séparer de sa dangereuse maîtresse. Et d'amant, il se transforme en maître chanteur. Pour prix de son silence, il lui fait signer 2 reconnaissances de dette d'un montant assez élevé. Il possédait aussi les lettres d'amour de la marquise et il en serre le tout dans une cassette avec quelques fioles de poison. Il la garde précautionneusement chez lui. Or, manque de chance pour la marquise, quelques années plus tard, en 1672, Sainte-Croix, qui continuait à se passionner pour la chimie, est retrouvée mort accidentellement dans le petit laboratoire qui s'était fait installer dans le quartier de Maubert. Il y eut une enquête et un inventaire de ses biens durant lesquels ses appartements furent fouillés et la cassette découverte. Le commissaire enquêteur trouva dans celle-ci, en plus de l'inventaire précédemment cité, une lettre du mort. Le capitaine de Sainte-Croix y écrivait, entre autres, « Je supplie très humblement ceux ou celles entre les mains de qui tombe cette cassette de me faire la grâce de vouloir la rendre en main propre à Madame la Marquise de Brinvilliers, demeurant rue Neuf-Saint-Paul, attendu que tout ce qu'elle contient la regarde et appartient à elle seule. » Un mot qui ne manqua pas, bien entendu, d'éveiller immédiatement les soupçons. On ouvrit les flacons et on les testa sur de pauvres animaux qui tous moururent. Ce qui accrut l'inquiétude de la justice, c'est que personne ne réussit à identifier les poisons et que ceux-ci ne laissaient aucune trace. La marquise de Brinvilliers, quand elle apprit la catastrophe, fit tout pour récupérer la cassette. Elle essaya de séduire, de corrompre, mais sans succès. Elle prétendit que les reconnaissances de dette lui avaient été volées et que le reste du contenu ne lui appartenait pas. Mais voyant que les taux se resserraient, affolée, elle décida de quitter Paris. C'est alors que l'un des complices de ces crimes fut arrêté, le fameux laquais La Chaussée. Le valet fut soumis à la question et avoua tout à la justice avant de mourir en place de grève le 24 mars 1673. La marquise de Brinvilliers s'enfuit en Angleterre et elle fut condamnée à mort par contumace. Colbert intervint auprès des autorités anglaises et elle dut alors se réfugier dans un couvent près de Liège, pensant être à l'abri des poursuites. Ce fut une erreur, car elle y fut arrêtée et l'on découvrit dans sa cellule une autre cassette encore plus compromettante. En plus de plusieurs fioles de poison, Madeleine de Brinvilliers y avait enfermé une lettre où elle avouait tous ses crimes qu'elle racontait par le menu ainsi que les détails d'une vie intime des plus débridées. Ramenée à Paris, elle essaya pendant le trajet de corrompre ses gardiens et devant son échec, enchaîna les tentatives de suicide sans succès.
Son procès se déroula du 29 avril au 16 juillet 1676. La Brinvilliers, comme elle fut bientôt nommée, soutint les débats selon son rang, avec une dignité qu'elle n'avait pas toujours eue tout au long de son existence. Tout d'abord, elle protesta de son innocence, niant tous ses crimes et ne laissant paraître aucun regret. Avec l'aide de son avocat, elle tenta de les mettre sur le dos de Sainte-Croix, qui n'était bien sûr plus là pour se défendre. Mais pendant le procès, la sœur de Marie-Madeleine, qui était carmélite, lui envoya un confesseur qui sut parler à la criminelle et obtint d'elle des aveux complets. La marquise de Brinvilliers démontra alors un tel accès de désespoir que le prêtre en fut bouleversé et qu'il la considéra bientôt comme une victime, voire comme une sainte. Aristocrate, elle fut condamnée à être décapitée à l'épée, mais n'échappa pas pour autant à la question, durant laquelle, malgré son courage, elle recommença des aveux complets. Sauf pour ce qui était de la formule du poison qu'elle utilisait et qu'elle prétendit avoir oubliée. Le 16 juillet 1676, le joli monstre, comme on l'appelait, monta dans le tombereau des parricides et dut faire amende honorable devant le portail de Notre-Dame. Arrivé sur la place de Grève, l'épée du bourreau frappa l'infortuné qui se tint si droite en accueillant le coup que son tronc resta quelques secondes sans tomber. Ensuite, son corps fut brûlé et ses cendres jetées dans la Seine. Madame de Sévigné put alors écrire sur le ton qu'on lui connaît « La Brinvilliers est en l'air, son pauvre petit corps a été jeté, après l'exécution, dans un fort grand feu, et ses cendres au vent, de sorte que nous la respirerons et que par la communication des petits esprits, il nous prendra quelque humeur empoisonnante. » J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre ami Arnaud Imatz, qui est un habitué de nos émissions, qui est venu déjà à plusieurs reprises aborder des questions relatives à l'histoire de l'Espagne. C'est en effet un grand spécialiste de ces questions. Je rappelle qu'il est l'auteur de la biographie de José Antonio de Primo de Rivera, qui fait autorité. Il a été de ceux qui, à travers l'ouvrage « La guerre d'Espagne revisitée », ont entamé le basculement historiographique qui a permis une relecture tout à fait nouvelle et beaucoup moins partiale que celle que l'on connaissait jusque-là de la guerre civile espagnole. Alors évidemment, il était tout désigné pour que je le sollicite aujourd'hui pour venir nous parler du conflit entre Madrid et Barcelone, nous parler de la question catalane, hein, en la replaçant dans un contexte historique plus large que la crise politique, somme toute récente, dont nous rendent compte les journaux au jour le jour, hein, au fil de ce développement, de cet antagonisme entre le pouvoir central et la Catalogne. Hein. Mais avant d'en venir à ce débat, lié donc à l'actualité brûlante, je voudrais vous signaler la parution toute prochaine d'un ouvrage à la réalisation duquel il a participé, hein, un ouvrage de Séraphine Van Roel, Al-Andalus, ou l'invention d'un mythe. Voilà, Al-Andalus étant l'Espagne musulmane. Voilà. Et donc, et le thème du livre, en fait, qui est reflété dans le sous-titre, c'est la réalité historique de l'Espagne des trois cultures, avec donc une mise en pièce en fait par Séraphine Van Roel, qui est vraiment un spécialiste, parce qu'il a c'est un spécialiste de philologie sémitique. Il a travaillé pendant une trentaine d'années au Caire, donc il est un spécialiste de la culture arabo-musulmane, et il met en pièce le mythe de la coexistence pacifique du paradis qui est finalement interrompu par les guerriers barbares chrétiens du Nord. Donc, ce livre sortira dans le 25 octobre, oui, aux éditions L'Artilleur, Toucan. Le Toucan, L'Artilleur. Alors, je signale déjà à nos auditeurs que Arnaud Imatz reviendra vers nous à la mi-novembre et nous consacrerons donc un entretien entier à cet ouvrage majeur, parce qu'on sait la place que tient ce mythe d'Al-Andalus dans le combat idéologique engagé aujourd'hui. Hein. On sait comment certains cherchent à instrumentaliser cette
cette histoire pour nous vendre, bien sûr, les bienfaits du soi-disant vivre ensemble. Donc, c'est un terrain sur lequel il faut être présent pour apporter la contradiction nécessaire et rétablir les vérités indispensables. Hein. Mais aujourd'hui, nous second allons... livre justement qui est plus en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, qui est le livre de Nicolas Klein, un normalien agrégé d'espagnol, qui publiera le 23 octobre un livre qui s'intitule « Rupture de banc, l'Espagne après la crise » et qui a justement l'intérêt de faire une remise en perspective donc de l'Espagne, de la vie politique espagnole actuelle. En insistant notamment sur donc les différents partis politiques et puis dont Podemos, le parti populaire d'extrême gauche, populiste d'extrême gauche, et puis en insistant beaucoup justement sur la question catalane. Donc qui va faire l'objet de notre un travail donc très utile sur l'histoire politique espagnole la plus récente, qui est généralement méconnue ici en France, ou alors qui est présentée à travers les lectures pour le moins partisanes et orientées de la presse institutionnelle. Hein. Et qui sera publié chez Perspective Libre. Voilà, Perspective Libre, courageuse petite maison d'édition qui nous donne depuis plusieurs années des travaux tout à fait intéressants. Alors, revenons-en donc à cette crise catalane. Il faut peut-être rappeler d'abord à nos téléspectateurs quelques éléments d'histoire. Pourquoi cet antagonisme entre Catalogne et l'Espagne? Il y a différentes dimensions de cette question. C'est une vaste question avec une dimension historique, une dimension politique, juridique et puis économique. Mais puisque c'est une émission, enfin un programme d'histoire, on peut se pencher effectivement essentiellement sur l'aspect historique. Alors comme tous les nationalismes, évidemment le nationalisme catalan repose sur une part de mythe, une part de vérité. Et en l'occurrence, il y a chez les nationalistes, dans ce nationalisme, il y a bien sûr un peuple, un territoire et une langue. Il y a aussi, on pourrait dire, une conscience d'appartenir à une volonté d'appartenir à une communauté et dans le même temps un patrimoine ou un particularisme historico-culturel. Alors ça, tout ça, c'est indéniable. Alors ensuite, il faut faire la part des choses entre ce qui relève de l'histoire, vraiment des faits, et puis de ce que l'on pourrait appeler entre guillemets, le victimisme aussi catalaniste, en fait. Hein. – Mis en avant par les catalans. – Alors, oui. On peut dire, donc, si on remonte dans le temps, on peut remonter à 1714, mais on peut remonter encore plus haut, à la marche hispanique, finalement, à la fin du 8e siècle, lorsque Charlemagne, pour avoir des forces, en fait, des comtés qui vont jouer le rôle de tampon entre la Gaule et l'Espagne musulmane, il va créer 9 comtés. Alors c'est intéressant, c'est 9 comtés qui couvrent actuellement le territoire catalan, avec notamment le comté de Barcelone et le comté du Roussillon, lequel Roussillon passera, sera d'abord espagnol et ensuite français. Bien, mais ensuite le comte de Barcelone donc va étendre petit à petit son territoire et en 1150 c'est Raymond Berenguer qui se marie avec Pétronille d'Aragon, et leur fils, Alphonse II, sera le roi d'Aragon. Alors, c'est important parce que finalement, la Catalogne, il y aura toujours un principat de Catalogne ou un comté de Barcelone, mais il n'y aura jamais de royaume catalan, il y aura un royaume d'Aragon.
Voilà, parce que la Catalogne sera intégrée en fait. De la même façon qu'il y aura un royaume d'Aragon, un royaume de Navarre, un royaume de Castille, un royaume de Galice, un royaume du Portugal. Ensuite, alors on a une deuxième période importante qui sont la période de la guerre de 30 ans finalement. Et c'est parce que, pourquoi ? Parce qu'en 1641, on sent déjà la volonté au préalable au XVIe siècle, sous Charles Quint, il va y avoir un vice-roi, c'est un point important, il y aura un vice-roi qui sera chargé d'administrer, de gérer tout le territoire, catalan. Mmh. Et vous savez que la grande différence entre le système, le modèle français qui va naître en fait sous Louis XIII, Richelieu et ensuite donc Louis XIV, qui est un modèle beaucoup plus centralisé, l'Empire hispanique, c'est fondamental, l'Empire hispanique dès le départ est un empire qui est constitué de royaumes, qui vont être, disons, fédérés, et c'est à tel enseigne même que nous allons avoir en Amérique hispanique, on aura aussi des vice-royaumes. Mmh. Et ces vice-royaumes, en théorie, bon, les mêmes droits. Quand, à l'époque, j'en reviens à 1641, il commence à avoir du tirage, lorsque les Espagnols sont en guerre avec la France, le comte Duque de Olivares s'est obligé de lever des impôts en Catalogne et puis de lever les armées, et là, on a un premier choc, les Catalans ne sont pas d'accord, et puis le font savoir. À tel point que Pau Claris même va déclarer à ce moment-là la République indépendante de Catalogne, c'était en 1641, en disant nous demandons le protectorat de la France. C'est ça. Et puis ensuite il fait un pas en arrière en disant non, nous nous soumettons totalement à la France. C'est une dissidence encouragée évidemment par la France. Alors qu'à ce moment-là, lors de cette guerre, il y a de la part des Espagnols la perte du Roussillon. 1659, le traité des Pyrénées. Et au traité des Pyrénées, Philippe IV va récupérer l'ensemble de la Catalogne, mais il perd le Roussillon quand même. Bien. Ensuite, nous avons encore ce qui va se produire au XVIIIe siècle. C'est, vous savez que chaque année, maintenant, les Catalans célèbrent la Diada nationale, le jour national. Le jour national, c'est en fait 1714, une guerre civile qui se produit en Espagne et qui oppose les prétendants du neveu de Louis XIV, Philippe V, à l'archiduc d'Autriche. Le petit-fils de Louis XIV, qui s'oppose à celui qui aurait pu être Charles III en Espagne, mais qui va être Charles VI, le souverain, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est, et c'est pour ça d'ailleurs que les Français n'en voulaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas avoir l'empereur du Saint... reconstituer l'empire de Charles Quint. Donc, à ce moment-là, les Catalans font le choix de l'archiduc d'Autriche, alors que les Navarrais et les Castillans font le choix de Philippe V. C'est Philippe V qui l'emporte. Et il y a à un moment donné Barcelone qui doit subir un siège, avec notamment le fameux amiral Blas de Lezo dont on a parlé la dernière fois, raison pour laquelle les Madrilènes ont créé une statue sur la place Colomb à Madrid de Blas de Lezo, qui était vraiment un personnage qui méritait cet hommage. Les Catalans ont officiellement demandé qu'on leur retire sa statue. Donc voilà, décidément, 1714, les statuts, ça devient compliqué en matière 1714 d'histoire. 1714 représente pour eux un point de départ. Alors, il est évident que lorsque Philippe V s'est imposé, là, il a commencé à vouloir installer en Espagne un modèle français plus centralisé. Donc, suppression de ce qui avait fait l'originalité de l'Empire hispanique, chaque royaume conservait ses lois, une autonomie, ses droits locaux, ses droits
ces institutions locales. C'est, voilà. Alors donc on commence à déjà à centraliser et c'est mal perçu. Ça va être mal perçu ensuite, notamment encore plus après la Révolution française et même avant, avec toute la tradition des illustrados, c'est-à-dire ceux qui se réclament des Lumières et qui tous défendront d'une certaine façon un modèle plus centralisé. Mm-hmm. Lequel modèle n'arrivera jamais à s'installer véritablement en Espagne, parce qu'il sera toujours remis en cause par le Pays Basque, la Catalogne, etc. De sorte que même pendant tout le 19e siècle, après l'invasion napoléonienne en 1808, qui aura eu des effets délétères, puisque ça sera la fin de l'Empire hispanique après les guerres d'indépendance en 1810 et 1833, et la fin de l'Empire total après la guerre contre les États-Unis à la fin du 19e siècle. Et donc, la bourgeoisie libérale jacobine ne parviendra jamais à installer véritablement un État-nation, comme en France. Il y aura bien 33 putschs libéraux libéraux progressistes au cours du 19e siècle. Et il y aura trois guerres civiles, trois guerres traditionnalistes, trois guerres carlistes, ce qu'on appelle les guerres carlistes, entre donc les carlistes et puis les libéraux, libéraux monarchistes. Et là, à nouveau, on retrouve la Catalogne dans le camp des traditionnalistes contre le gouvernement central. C'est les libéraux d'Isabelle II qui l'emporteront. Et tout ça nous mène à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, c'est à partir dans les années 80. Déjà dans les années 60, il y a un nouveau mouvement de renaissance, Renaïque Sensa, qui est un mouvement qui se réclame de la culture et de la langue catalane et qui est impulsé par les milieux, par l'Église en fait, par les milieux religieux. Hein, le poète Verdaguer, notamment. Il y a l'évêque Toras y Barres. Et puis ensuite, dans les années 1890, là, on voit l'apparition de partis politiques. De partis politiques qui sont, non pas indépendantistes, mais des partis régionalistes, régionalistes. Mmh. Et ces partis régionalistes sont interclassistes et ils sont plutôt sur l'échiquier politique, ce sont des partis conservateurs. Mmh. Et notamment, il y aura la Ligue régionaliste qui est créée en 1901. Alors qu'en 1920, nous allons avoir en 1920, et 1931, un nouveau parti républicain de gauche, à ce moment-là, du centre-gauche Esquerra Republicana, qui existe encore, qui va surgir. Et au moment de la guerre civile, il faut savoir qu'une partie des Catalans, ceux qui étaient justement derrière la Ligue régionaliste et la Ligue catalane, avec Cambó, par exemple, eux se retrouvent dans le camp national, donc avec le camp qui sera après appelé franquiste. Alors que Esquerra Republicana, pendant toute la période de la République, il déclare à plusieurs reprises, nous voulons la République, un État, mais dans la Fédération ibérique, il ne parle pas encore d'indépendance, mais à l'époque on parle d'État catalan dans la Fédération ibérique, ils le font à deux reprises, une fois en 1931, au moment de la déclaration de l'avènement de la Deuxième République, et une deuxième fois en 1934, en pleine… Pendant la crise des Asturies. En plein putsch socialiste pendant la crise des Asturies, mais putsch ou révolution socialiste déclenchée dans l'ensemble de l'Espagne. Ouais. Et eux, en Catalogne, déclarent à nouveau, nous voulons maintenant un État catalan à l'intérieur de la République fédéraliste espagnole. Ouais. Évidemment, comme le coup d'État socialiste ne fonctionne pas, à ce moment-là, le centre qui est au pouvoir, qui sont des radicaux, un parti nourri de francs-maçons d'ailleurs, suspend le statut d'autonomie catalan, premier statut qui avait été créé en 1932. Voilà. À ce moment-là, on a ensuite les élections de 1936
Et au lendemain des élections de 1936, le statut est restauré. Le statut d'autonomie est restauré. Sous Franco, évidemment, il y a les nationalistes périphériques sont combattus, mais surtout dans les années entre 1939 et 1945. Mmh. Surtout sur le plan. Là, véritablement, le catalan est réprimé, c'est une réalité. On ne peut pas enseigner le catalan, mais à partir de 1940, de 1944 et entre 44 et 50, le catalan est à nouveau enseigné puisqu'il y a des chaires de philologie catalane et on va avoir des œuvres représentées dans les théâtres et des livres qui sont édités en catalan. Bien sûr. Bien. Ensuite, on arrive donc la Catalogne va être politiquement peut-être effectivement les catalanistes dire qu'ils ont été victimes du centralisme franquiste pendant 40 ans, mais économiquement, ça a été une des régions d'Espagne qui a bénéficié le plus de ce qu'on appelait à l'époque le miracle espagnol, miracle économique qui s'est produit entre 59 et 1973. – C'est ça. Après l'avènement de la démocratie, donc en 1978, on a une constitution qui est adoptée, une constitution démocratique, c'est la loi fondamentale de la démocratie espagnole, laquelle prévoit le respect et la défense des autonomies, ce qu'on appelle les nationalités. Il y a une nation en Espagne, des nationalités, des régions, et il y a 17 autonomies. Parmi elles, le problème, c'est que les compétences sont totalement asymétriques entre les différentes autonomies espagnoles, puisque la Catalogne et le Pays Basque ont plus que les autres autonomies. Mais le premier statut d'autonomie après la Constitution date de 1979, puis sous Zapatero en 2006, avec des compétences qui ont été accrues, puisqu'ils ont de larges compétences en matière d'éducation nationale, ils font à peu près ce qu'ils veulent, en matière d'ordre public également. Et donc, il s'avère que pendant 28 ans, l'autonomie catalane a été dirigée, la généralité catalane a été dirigée par des nationalistes, mais des nationalistes modérés, qui étaient libéraux et démocrates chrétiens, avec la figure de Pujol, qui actuellement est à de lourds problèmes pour des faits de corruption. Mais ensuite, quant à les socialistes, les Verts et l'extrême gauche, ils n'ont pu diriger la Catalogne que pendant le reste, quoi, pendant 7 ans à peu près. Bien. Rupture en 2005. En 2005, là, on voit un nouveau parti qui émerge, qui n'est plus Convergencia y Unió, comme celui qui avait gouverné jusqu'alors, mais un parti qui est fait de centristes de droite, libéraux, démocrates, chrétiens, et de gens d'Esquerra Republicana, qui existe toujours depuis 1931, qui représente une gauche, en fait, une gauche modérée, un petit peu comme si en France le RPR ou les LR s'alliaient au socialisme de Valls, en gros, ou de Valls ou DSK. À côté, et ces gens-là ont eu sur 135 députés aux dernières élections en 2015, ils ont eu 62 députés dans l'Assemblée parlementaire catalane. Et à côté, il y a la coupe, les candidats pour l'Union populaire, la candidature pour l'Union populaire, coupe, oui, candidatura de Unión Popular. Et qui sont les plus radicaux. Et là, on voit l'évolution aussi, puisque le nationalisme, un nationalisme qui est devenu carrément d'extrême gauche. Et ces gens-là ne se satisfont plus du fédéralisme, du régionalisme, voire du fédéralisme. Il ne s'agit pas de créer un État comme en Suisse ou comme en Allemagne ou comme aux États-Unis. Non, ils veulent l'indépendance. La souveraineté complète. Souveraineté, indépendance et indépendance qui posent évidemment de sérieux problèmes, parce qu'on entre directement, c'est le choc frontal avec la constitution espagnole qui défend et garantit les autonomies, mais qui dans le même temps dit, comme suivant le principe français, la constitution, le fondement de la constitution, c'est l'indissolubilité de la nation espagnole.
Donc, véritablement, il y a un problème. D'où, actuellement, ce débat sur l'application ou non-application de l'article 155, article alinéa 1, qui permet au gouvernement central d'abord, il y a une première chose, une mise en demeure au président de la Généralité pour lui dire éclairer un petit peu la situation et remplissez vos obligations. Et s'il ne répond pas ou s'il ne remplit pas ses obligations, à ce moment-là, ils ont la possibilité d'intervenir auprès du Sénat. Hein, le gouvernement de Madrid demande au Sénat son accord. Et si le Sénat donne son accord, à ce moment-là, ils sont autorisés à faire à peu près ce qu'ils veulent, hein, c'est-à-dire à suspendre l'autonomie. Ouais. Et évidemment, sur le problème économique qui se pose actuellement, le catalanisme a été toujours soutenu par les milieux d'affaires, les banques. Or, il s'avère qu'ils voulaient le fédéralisme, mais l'indépendantisme, pas vraiment. Donc, on a en quelques jours 540 entreprises qui ont dit nous quittons la Catalogne. Et ce n'est pas rien, ça représente entre 20 et 30% du PIB de la Catalogne. Le PIB de l'Espagne, c'est à peu près un petit peu plus du PIB que la moitié du PIB de la France. Mmh. Donc je crois que c'est 1200, 1250 milliards d'euros. Mmh. Et celui de la Catalogne, ça doit être 240 milliards d'euros. Ouais. Mais il y en a donc 80 ou 90 qui sont déjà partis. Donc ça pose de sérieux problèmes. Ça veut dire qu'on parle de récession possible pour la Catalogne. Et avec des incidences, évidemment, sur toute l'économie de la nation espagnole. Et évidemment, lorsque des grands groupes comme Planeta, la Caixa, la Banque de Sabadell, des entreprises de pharmaceutiques aussi, des grandes compagnies d'assurance, et lorsqu'ils partent, en principe, c'est pas pour revenir du jour au lendemain. Hein, le problème dans lequel ils se trouvent actuellement. Alors, que vous a inspiré le succès considérable des manifestations favorables à l'unité espagnole qui ont eu lieu à Barcelone, qui ont quand même été par leur ampleur une surprise. C'était effectivement quelque chose de très surprenant, parce que il faut bien dire que s'il y avait un accord dans la classe politique jusqu'alors, c'était pour de considérer toute manifestation à caractère un peu patriotique comme un vestige du franquisme, pour ne pas dire du fascisme. Donc, pour une fois, il semblerait que une bonne partie du peuple espagnol, c'est un discours qui fonctionne mal. Mais cela dit, on ne voit pas, on présente Rajoy pour les Catalans, on le présente comme un représentant du fascisme. En fait, c'est un bureaucrate et un ancien notaire qui est qui est quand même aux ordres de Bruxelles et qui est atlantiste, multiculturaliste, que sais-je encore, c'est-à-dire très proche en cela du Parti Socialiste Espagnol. On voit mal, et qui ne veut surtout pas que l'on applique l'article 155, pas plus que les Catalans d'ailleurs. Donc ils sont vraiment dans une sorte de piège, et on ne sait pas comment ils vont en sortir. Eh bien, nous allons nous en remettre au peuple espagnol, hein, ou au pays réel, comme disait l'autre, pour espérer que cette crise évolue dans un sens positif. Merci infiniment, Merci à vous. Arnaud Imatz, pour ces éclairages concernant la crise catalane.